Allez, c'est Agi, bienvenue pour ce 69e épisode magnifique nombre de Dragon Quest 11 Switch. On y retourne sur les mots de passé, puis on va commencer par DQ2, grotte menant à Neveria. C'est parti! J'ai crafté quelques armes et amélioré des armes aussi, par rapport à ce qu'on a débloqué lors du précédent épisode, avec la dernière épreuve, très compliquée. Et enfin, j'en améliore d'autres, si on peut les voir très rapidement. On peut pas. On ne peut pas. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, c'est des équipements ultimes et il va falloir que je les fasse. Alors, oh, voici donc un véritable guerrier. Tu te demandes comment je peux le savoir. Un fier soldat de Medivhand sait reconnaître un de ses semblables lorsqu'il en voit un. Crois pas. Le hasard fait bien des choses, car je cherche justement quelqu'un comme toi. Pourquoi cela? Eh bien, un infâme et féroce monstre s'est approprié les trésors qu'abrite la grotte où nous trouvons. Oui, trois grands trésors, le sceau de l'âme, l'armure d'Elric et la puissante lame de foudre. Il s'en est équipé et il arpente ses galeries avec arrogance. Il faut lui reprendre sans délai avant que Sa Majesté, le prince de Medivhand, vienne le chercher avec ses compagnons et réalise qu'ils ne sont plus là. Je t'en prie, fais tout pour éliminer ce monstre et récupérer. Oh, puis regardez l'évolution, en plus il m'en faut. Justement pour ses armes légendaires. Éliminez-la afin de pouvoir remettre les trois trésors à leur place. Le trésor c'est ici du coup. Un coffre vide. Protection sacrée. Ouais. Ça ne sert tout bonnement à rien. Oh, il y a des trous. D'accord. Comment on peut le savoir? On va passer par là. Avec l'armure d'Elric. Va pour trouver, hein. À gauche. Là, je peux descendre, mais ça revient au même endroit. Mais à quoi sert cet escalier alors plus haut? Attends. Pareil, celui-là. Toc. Ça mène au même endroit. Bon, bah, j'imagine qu'il y a un chemin à prendre, hein. Essayons des combinaisons, puis on verra bien. En haut. Ah! J'ai réussi à trouver un escalier. Oh, il y a des coffres. Oh! Ça, je prends. S'il n'y a pas de piège. Boule de foudre. Il y a encore d'autres endroits à visiter. Avec un autre escalier. Sachant que l'autre, il est parti vers le haut. J'apprends ça. 1383, pourquoi? Je n'en sais rien. Par là? Bon, on suit. Ouais, par contre, c'est très grand. Il y a plein d'escaliers. Je ne sais pas où ça mène. Et je veux les coffres, moi, je veux tous les coffres. Ok, ouais, à gauche. Il y a des trous encore. Ouais, c'est qu'on peut pas savoir là où ils sont. Ouais. C'est chiant. C'est très très chiant. Alors, s'il y a ça dans DQ2. Je vais m'amuser aussi. Là, si je passe à côté. Peut-être des pierres à suivre, parce qu'il y a des pierres avec de la mousse. Bon, après, les trous, je les crée, c'est-à-dire que je sais où ils sont après. Comme ça. Comme ça. Tout droit. Tac. Ouais, non. Ah, je suis revenu là. Ok, on va essayer de prendre cet escalier.
Allez, on va activer à chaque fois. Vrai labyrinthe. Je suis pas fan de ce genre de choses. Tourner en rond pour rien. Ceci. Tac. Et toi, tu tombes, t'es obligé de refaire tout le trajet. La chantise. Alors, tac. 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 Comme ça. On passe bien entre les deux. Parfait. Sifflant, bon, on va aller en haut. C'est bloqué. On va aller en bas. C'est bloqué. À gauche. C'est pas bloqué. En haut. Et je retourne ici. Ici, je vais à droite. Une autre direction possible. J'avoue que je fais tout n'importe quoi. Hein. Je tiens à le dire. Et pareil, j'y reviens. On va déjà s'occuper de la gauche. Faire comme ça. Ah, par à gauche. Non, à droite. Donc là, c'est inutile. On le voit bien. Pareil, donc c'est forcément à gauche. Puis à droite. Puis à droite. Ok, en bas. Non. On va essayer en haut. Faut se souvenir de tout ça aussi, hein. Comme ça, comme ça. Puis là-haut. En haut. Mais là, bien. À gauche. Encore en haut. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ok. Waouh, oui, même le plus puissant monstre de derrière Bling n'a pas la moindre chance face à ma lame impitoyable. Mute, que cherches-tu? Sois-tu vraiment Bling m'affronter? Soit, sans digne de te mesurer à moi. J'essaie de te montrer toute l'étendue de mon inégalable talent. Mon seigneur et maître m'a guidé jusqu'ici, à la suite de quoi je me suis procuré Bling, les attributs ultimes du chevalier de l'âme de foule, le saut de l'âme et l'armure d'Elric lui-même. Dès l'instant où j'ai revêtu son équipement légendaire, je suis devenu aussi puissant que lui, et nul ne pourra me surpasser désormais. Et bon, on va voir. On va voir ça. Petit balayage. Si on peut le faire tomber. Ce serait bien. La multim. Division. Et méga protection. Il a pas trébuché. Il a méga altération en plus. Oh, gigantaille. Pas mal ça. Ah, j'ai peut-être te bouger ou mettre en défense au cas où. Juste ça. 1000 pieds, critique systématique, omnisoin. Top. Ouais, j'ai bien fait. Lame de foudre. Prends-en dans ta tronche. Beaucoup de défense aussi. Alors, avec Serena, j'ai le truc pour la raison de la guérison. Jade, Eric, Serena. Véronica, j'ai pas envie de perdre de temps. On va rajouter accéléro par-dessus. Ou même super accéléro. Explosion magique.
déverse notre puissance directement. Ah, je peux plus lancer de sort. Salaud. Il a bloqué la bonne personne. Bah encore mieux. Bon bateau magique. Tac. Et tac. Il devrait peut-être mourir. On va attaquer. Pour récupérer quelques PM si jamais. C'est... Voilà. Ennemi trop faible, ouais, c'était sûr. Rien ne sauvegarde à l'entrée de la grotte que l'armure vivante était vaincue. Je vous dis que ce serait... Ah, ok. Evac. Possible que j'ai oublié des choses ici, hein. C'est tellement grand. Si jamais on me le dira. C'est rempli. Bon, on peut quitter, normalement c'est terminé ici. Oui. Hé hé. Je vais aller soigner. Sauvegarder. Bon là j'ai plus grand chose à faire. On peut voir. Et bien entendu c'est pas terminé puisque les livres brillent. Et ça va être des quêtes qui vont débloquer d'autres quêtes. Et justement, tu viens qu'à 10, vous demandez d'aller avec Nana, et vous demandez de vous à Nécrofond et donnez-moi une leçon. Donc, il faut qu'on voit tout ça, tous les endroits possibles. On va commencer par ça. Là, aucun des pèlerins vous a demandé d'aider à remplacer les cordes du 6 de vérité. Vous n'arrivez pas dans une tour dédiée aux chevaux. Donc, on peut faire ça, c'est lequel déjà? C'était celui-là. Colonne de Pégase. Et il faut combattre des monstres jusqu'à temps qu'on drop l'objet en question. Je vais mettre de petites solutions parce que sinon ça va être vachement long. Allez, on regarde dans la tour. On essaie de trouver des mobs. Si ça veut bien. J'ai la protection sacrée? Non, elle a dû se retirer là. Sous les monstres. Ah voilà. Parfait. Pit brûle. C'est marrant ça. On va faire les mêmes techniques, hein. Division critique systématique. J'ai même Véronica avec moi, je pourrais m'amuser. Franchement, méga kill, ouais, quoique, on va pas le faire. Un giga manque. Hihi. Évacu. Fine. Ah bah voilà. Tout bêtement. On sort. Direction des Q7, camp des pèlerins. Alors jour, nuit. On va essayer le jour. Vers la nuit après si jamais. Celui-là. Là, c'est la nuit. Bien entendu, hein. Jamais mon premier choix. Ouais, je pense l'inverse en fait. Quand je fais un choix, je fais l'autre, mais je suis sûr que ça sera encore le contraire. Ça, ce sera fait. Ambiance. Chaussures à talons. Voilà. Et la musique est de retour. Sac d'équipement, chaussures à talons. Chaussures à talons extérieurs faisant gagner à chaque pas de l'expérience à la personne qui les porte. Nani Tekuru. Oh.
À la place d'un coagulant. Ouais. Caractéristique Jade. 83-74. Ça change pas. C'est de l'arnaque ce truc ou quoi? Ah, tu l'as pas activé. En même temps, c'est équipé. Bah non, 94 aussi. Ça change pas. Personne qui porte gagne mon expérience en se déplaçant 1. Mais je gagne même pas les 1. Bon bah c'est... Je suis tristesse. On se casse. Est-ce que DQ7 est terminé? Ouais. Parfait, on avance bien. Alors, il manque aussi un mot de passé. Je pense pas que je puisse le débloquer ici. C'est peut-être plus tard. C'est peut-être vraiment plus tard. Trouver la lyre de lyre. Ok, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose de plus simple avant que j'aille revoir? Je dois chercher un endroit où la chose chevaleresque est prise très au sérieux. Ou la chose chevaleresque. À part Puelto Valor. Là-dedans, je vois pas trop. On va aller voir ça. Est-ce qu'il me faut un bouquin ou parler à quelqu'un? On va tout essayer. Allô, manoir. Alors, est-ce qu'on aurait des livres qui traînent? Là, mais il n'y a rien. Ouais. Peut-être ici. C'est un bateau, on s'en fiche. Est-ce que c'est intéressant? Pas plus que ça. Ah! L'idéal chevaleresque. Peut-être que ça. Ok. Cuirasse de Caballero. Un sac d'équipement. Eh bah dis donc. Le passage change d'apparence. Si l'on doit à la place de l'armure de Mercure. Tac. Je perds un peu en défense, mais tu gagnes de l'agilité, du charme et des PV. Pareil bien ça. Tu viens modifier l'alignement. Tac tac. Comme ça. La tronche qui se tape. Attends, mais j'avais jamais regardé ces recettes ici. The fuck. Ok, c'est digne de l'auberge qu'elle a gagné. Ça n'a rien fait de plus. Est-ce que j'avais fouillé ici? Eh ben non. Pas du tout. Bon, pour la quête morale à zéro, en fait, faut aller dans la ville de Gallopolis. Et rejoindre... Alors, les courses, je les ai fait, hein, normalement. Oui, ça a été fait. Et rejoindre les appartements du sultan. Il devrait y avoir quelque chose. Alors, en 3D, c'est un objet. Et en 2D, c'est comment? Bah, c'est ça. C'est un livre. On va ramener. Ça fera une nouvelle quête de fini. Donc, Chronopolis.
petit bout de cul. Ouh. Les autres, pareil, j'irai voir. Non, c'est des Q9. Ah, des aventuriers. Oui. Super, tu l'as, être roi. Oui, c'est bien ça. Je vais pouvoir montrer ça à Bérangère. Tu livres le livre à Bérangère qui commence à le parcourir. Véritable roi ne doit jamais perdre de vue qui il est vraiment et ce, quoi qu'il arrive. Véritable roi assume la responsabilité du bien-être de ses sujets. Jamais ne doit oublier en quoi il leur est redevable. Si un roi perd toute estime de soi, ses sujets en souffriront. Et un roi qui fait souffrir ses sujets n'est pas digne de son honorable titre. C'est beau. On dit, j'ai dû tellement faire souffrir mes clients avec mes états d'âme. Quel genre d'aubergiste suis-je donc? J'ai bien failli perdre de vue la seule chose qui compte vraiment, mes clients. Tu vas rentrer dans l'ordre. Hop, on quitte. Et on le termine. Yeah. Trop bien. Alors, catalogue de quêtes. Ta, 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 ta. On peut voir pour faire ça. Allez, on va faire ça. On va retourner dans le DQ9. On va aller voir après des aventuriers. En fait, il y a un bouquin à récupérer. Et ça va être pour Jessica. Et il y aurait un mot de passé dans les épreuves de Tristan. Vous êtes casse-cou. Pas mal. On va ramener ça. Et DQ8. Au crépuscule. Tiens, Rosalind. Ça va être bon, ça. Oui. Non. Non. Oui. On est fait lire, mademoiselle. Qu'est-ce que quoi, Jessica? Comment te sens-tu, Jessica, chérie? Comment? Que fais-tu ici? Attends, je sais. Tu es là pour me dissuader de venger Alistair, n'est-ce pas? Eh bien, laisse tomber. Je m'en rendrai jamais. Je ne rentrerai pas avec toi. J'espère que c'est clair. Je le vengerai, c'est mon destin et personne ne m'en empêchera. Compte donc jamais ce que je te dis, n'est-ce pas? Je me demande bien pourquoi tu es si têtu. Ah, tu veux parler? Depuis quand tu écoutes? Ouais, voilà, j'allais dire, c'est. Je suis sûr que c'est la même. Si c'est de si drôle. Hey, aucun doute, c'est bien ma Jessica, merci infiniment. Foi de la déesse. Je suis reconnaissante. Le royaume d'Alia, c'est Q9, ok. Cet équipement offre la DS 135, longe consacrée comme allié la DS en personne. Ok. DQ8 terminé. Oh, elle est magnifique. 8. Galen Holm. Et on doit affronter quelque chose ici. C'est toi, je crois. Des ordonnateurs, ouais, c'est bien lui. Vamp. Super décuplo. Et la protection. Lolo. C'est quoi tous ces monstres? On va appeler Véronica, tu vas voir.
Mythique. Sinon, toi, tu reviens. Véronica. Et tu vas mettre... Gigagash. Toi, bien sûr, 1000 pieds, hein, comme d'habitude. Et on lance... Explosion magique. Pas de temps à perdre. Je suis un fou. Il est vaincu. Ouais, mais il faut vaincre les autres aussi. Voilà. Mais j'étais l'élu. Ah, ça a dû renouveler, c'est vous, à l'esprit du jeune homme de Cadiz. Yep. Des Q10. Ça, tu renouveau. Ouais. Parfait. Pour avoir des bouts d'oreilles. Cryoclastique. Ça va être pour la glace. Et c'est tout bon aussi ici. Ouais, par contre, tu vois, c'est pas terminé. Il y a encore quelque chose à faire. Je vais soigner pour récupérer mes PM avec Véronica. On va avoir encore un combat. Je vais pas sauvegarder cette fois-ci. Et on va retourner au château de Barmos plus tard. C'est pour la quête sauver le dieu tortue. Yep. Baramos, Baramos. Voilà, plus tard. Et en force, on commence à se souvenir de qui est où, quoi, comment, pourquoi. Même s'il y a beaucoup de choses à retenir, donc des fois on oublie. Hein. Ah ouais, c'était plus loin, il fallait faire le grand tour complètement. Là. Les monstres. Morbleu, qui es-tu? Qu'est-ce qui t'amène ici? As-tu l'intention de pénétrer ici, de ramener la tortue à Cadiz? À sa demeure de jadis? Oui, au bon lait de Brevis. Par Toutatis. Je vais vous pulvériser. Tac. Avec. Tornade rose. Avec. Explosion magique. Avec. Ouais, quand même, accéléro au cas où. S'il meurt pas. Exagérons pas non plus. Zuit. Fasciné. Ah, il meurt pas, hein. Bon, ça va pas tarder. Est-ce que lui, il est tout seul? Bon, patate du faucon dans de l'épée. Moi, je suis maudit. C'est pas grave, ça va passer. Sans aucun problème. Yoga Shikawin. Blabla. Ok. J'ai compris. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Eric, Serena, Henrik, Sylve. Fait critique systématique. Hop, de la magie. Qui tout double. Non. Double lame. Et bon, la justice. Aïe. Il fait des rappels en plus. Faut l'achever celui-là. Sois puni. Je ramène à la vie. Pas le choix. Abnégation, tu vas tout prendre.
Tiens, rue vers l'or. Soin avancé. Eh ben. Réflexion. Faire gaffe au sort. Attends, tu vas lancer une division et on va faire critique systématique après sur lui. Troll Mariole. Attaque du faucon. Ouais. Le mage n'a pas réflexion. Ça va. Ah! Ça fait sur le mauvais alors. Pourquoi il a récupéré? Il a fait un truc pour prendre l'attaque, j'en sais rien. Mais on n'a pas de le bon. Ah oui, ouais, c'est bien ça. Il est en deuxième. C'est tout à fait normal là. Non, le cyclomage. Allez, casse-toi. Avec les méga kills, c'est bon hein, cette attaque. Ah, vieux monsieur Tortue. Kelonius regarde vers vous. Son expression bienveillante semble exprimer sa gratitude. J'utilise la télépierre pour tourner au village de Cadiz. C'est vrai qu'on avait ça. Potion tonique. Parfait. Ça va être bon contre Kalasmosa. J'en avoir vraiment besoin. On a tout fait sauf un du coup. Info, catalogue de quêtes. Fini, fini, fini. Donc celui-là, c'est le dernier mot de passé qui me manque. Et là, y'a rien. Donc ça m'a dit l'épreuve numéro 3 de Tristan. Bon, j'avais trouvé ça. Pour finir cet épisode. Alors, apparemment, ça a l'air d'être tout bête. Il devrait y avoir un petit bout de cul qui traîne. Et ben, voilà. C'était le dernier qui manquait. Donc finalement, il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup plus tard. On peut avoir tout avant la vraie fin du jeu. Tu peux dire ça comme ça. Super. On va pouvoir en terminer avec ces derniers mots de passé. La dernière épreuve du Darmal, je sais pas si on pourra la faire maintenant ou plus tard. Plus tard, ça sera peut-être mieux un épisode pour ça. Hein. Qu'il soit court. Ou long. Ça ferait l'épisode 70. Ouais. Pas 71. Casse-moi 72. Le truc. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Je peux ouvrir, cool. Gwéline. Attends, je vais. Ok, vas-y. Fais-moi un résumé. Princesse Gwéline veut que vous trouviez du nectar irisé afin d'aider son père à retrouver sa voix. Oui. Le jardin d'hectare, je te prie de me l'apporter. Ok. On va vérifier où ça se trouve. Moi, je voulais le coffre, par contre. Graine de vie. C'est un objet graine de vie. Mets ça, Eric. Mais rien à dire. Ok, je vérifie. Ah bah, très bien. En fait, il faut battre... Le vrai boss final du jeu, bah, on y reviendra. C'est-à-dire qu'on a fini pour le moment les mots de passé. Et on pourra le terminer sur des prochains épisodes complètement. Et on est bien, on est bien. Du coup, prochain épisode. La prochaine épreuve. On peut directement aller voir ensemble. Tac. Téléportation. Tac. C'est ouf. Tiens aussi l'académie, est-ce que j'aurais pas récupéré des mini-médailles entre temps? Parce qu'il faut qu'on remplisse aussi l'album. Ce serait cool qu'on le fasse aussi. Trois mini-médailles. Il m'en manque deux. Est-ce que si je refais des courses de chevaux, je vais pouvoir en obtenir? À voir.
Téléportation. En sens de la discipline. Voilà, l'épreuve secrète, super graine de défense, super graine de force, super graine de magie, super graine de vie, 50 actions maximum. Il y a 4 combats à faire. Et on verra eh bien, les monstres lors du prochain épisode. J'espère que t'as apprécié celui-ci, on se rendez-vous pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest 11 Switch. Je te fais des bisous et à la prochaine. Salut, je t'appelle. Bye.